À l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il s'est tenu à Oyo le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale. Y ont pris part Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les quatre chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, Muslim Tablik Movement, MTM, les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces deux pays. Les quatre chefs d'État se sont réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises, se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces deux pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les quatre chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par ces deux pays de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant survenir dans leurs relations bilatérales. Concernant la situation en République centrafricaine, les quatre chefs d'État ont salué les efforts de médiation de João Manuel González Lorenzo, président de l'Angola, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ils se sont réjouis des mesures prises par les autorités centrafricaines pour favoriser le retour de l'opposition démocratique au sein du comité d'organisation du dialogue républicain. Les quatre chefs d'État ont évoqué avec un grand intérêt la tenue du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, prévu le 24 février 2022 à Kinshasa, au cours duquel le pays hôte succédera à l'Ouganda à la présidence du mécanisme. Les quatre chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit du Mali, à la Guinée et du Burkina Faso. S'agissant des élections prochaines en Libye, les quatre chefs d'État ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et les forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et consensuelles. À propos toujours de la Libye, les présidents Yoweri Museveni, Faure Gnassingbé et Félix-Antoine Tshisekedi ont salué une fois de plus les efforts du président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau et du groupe du contact de l'Union africaine sur la Libye. Au plan multilatéral, les quatre chefs d'État se sont réjouis de la tenue de la COP26 à Glasgow en novembre 2021. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique pour maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Les quatre chefs d'État ont convenu de se voir régulièrement et de renforcer ainsi leur cadre de concertation sur les questions politiques, sécuritaires, régionales et internationales. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.